Le Deutéronome, chapitre 3. Nous nous tournâmes et nous montâmes par le chemin de Bazan. Og, roi de Bazan, sortit à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à Édréhi. L'Éternel me dit, « Ne le crains point, car je le livre entre tes mains, lui et tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. Et l'Éternel, notre Dieu, livra encore entre nos mains Og, roi de Bazan, avec tout son peuple. Nous le battîmes sans laisser échapper aucun de ses gens. Nous prîmes alors toutes ces villes, et il n'y en eut pas une qui ne tomba en notre pouvoir. 60 villes, toute la contrée d'Argob, le royaume d'Og en Bazan. Toutes ces villes étaient fortifiées avec de hautes murailles, des portes et des barres. Il y avait aussi des villes sans murailles en très grand nombre. Nous les dévouâmes par interdit, comme nous l'avions fait à Sihon, roi de Hesbon. Nous dévouâmes toutes les villes par interdit, hommes, femmes et petits-enfants. Mais nous pillâmes pour nous tout le bétail et le butin des villes. C'est ainsi que dans ce temps-là, nous conquîmes sur les deux rois des Amoréens le pays de l'autre côté du Jourdain, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Hermon. Les Sidoniens donnent à l'Hermon le nom de Sirion et les Amoréens celui de Sénir. Toutes les villes de la plaine, tout Galaad et tout Bazan jusqu'à Salca et Édréhi, ville du royaume d'Og en Bazan. Og, roi de Bazan, était resté seul de la race des Réphaïm. Voici son lit, un lit de fer. N'est-il pas à Rabat, ville des enfants d'Ammon? Sa longueur est de 9 coudées et sa largeur de 4 coudées en coudées d'homme. Nous prîmes en possession de ce pays. Je donnai aux Rubénites et aux Gadites le territoire à partir d'Aroer, sur le torrent de l'Arnon, et la moitié de la montagne de Galaad, avec ses villes. Je donnai à la moitié de la tribu des Manassé le reste de Galaad et tout le royaume d'Og en Bazan. Toute la contrée d'Argob, avec tout Bazan, c'est ce qu'on appelait le pays des Réphaïm. Jaïr, fils de Manassé, prit toute la contrée d'Argob jusqu'à la frontière des Geshuriens et des Maacathiens, et il donna son nom au bourg de Bazan, appelé encore aujourd'hui bourg de Jaïr. Je donnai Galaad à Makir. Aux Rubénites et aux Gadites, je donnai une partie de Galaad jusqu'au torrent de l'Arnon, dont le milieu sert de limite, et jusqu'au torrent de Jabbok, frontière des enfants d'Ammon. Je leur donnai encore la plaine, limitée par le Jourdain, depuis Kinnéreth jusqu'à la mer, de la plaine, la mer salée, au pied du Pisga vers l'Orient. En ce temps-là, je vous donnais cet ordre. L'Éternel, votre Dieu, vous livre ce pays pour que vous le possédiez. Vous tous, soldats, vous marcherez en armes devant les enfants d'Israël. Vos femmes seulement, vos petits-enfants et vos troupeaux, je sais que vous avez de nombreux troupeaux, resteront dans les villes que je vous ai données, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils possèdent eux aussi le pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne de l'autre côté du Jourdain. Et vous retournerez chacun dans l'héritage que je vous ai donné. En ce temps-là, je donnai des ordres à Josué, et je dis, « Tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à ces deux rois. Ainsi fera l'Éternel à tous les royaumes contre lesquels tu vas marcher. Ne les craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. En ce temps-là, j'implorai la miséricorde de l'Éternel en disant, « Seigneur Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point.
L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga, porte tes regards à l'occident, au nord, au midi et à l'orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Nous demeurâmes dans la vallée vis-à-vis de Beth-Péor.